Ok, et donc nous nous retrouvons peu de temps après. Donc on en était à ce personnage. Finalement, je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous propose comme proposition. Donc j'ai refait les combats de. Donc pour nous, pour moi, on se retrouve le lendemain. Hein, et puis je me suis retapé le combat contre Saveroc deux fois parce que je tenais à ce que mes personnages soient tous en vie. Donc voilà. Donc ça n'a pas été très très difficile. Un hein, coup de baguette d'invocation, c'était assez simple. Attendez, on sera vite fixé. Restez sur vos gardes cette nuit. Moi et le rouge, on dirigera les opérations. La cible, c'est une baraque de nobles de l'Estrion Sutilan. On partagera l'or en trois. Il y aura d'autres coups à faire, si ça vous chante. Petit cambriolage, c'est pas mon rayon, j'ai des travaux plus pressants. Bon allez, C'est fait. donc on va essayer de se payer Saveroc. Il y a Votre une. fin sera rapide si vous vous laissez faire. Allez au diable, j'ignore qui vous êtes. Mais si vous complotez avec celui qui m'ennuie, allez donc dans les enfers d'Hadès, que les esprits des créateurs de ce dédale vous emportent. Attendez, je vais juste. Voilà. Fermez-la, je cherche un nommé Saveroc. Il est passé par ici. Mais vous avez des. Ok, il est passé par ici. Mais vous avez des blessures qui vous a fait ça. Je ne vous veux aucun mal, je cherche Saveroc. Alors bonne chance si vous le pourchassez. Il m'est passé sous le nez et s'est juste arrêté le temps de me filer un coup de bâton pour s'amuser. Une vraie saleté, voilà ce voilà ce que c'est. Mais avec des pièges qui l'attendent, avec les pièges qui l'attendent, il ne va certainement pas en échapper, même avec ce mage, qu'il traînait à ses basques. Pouvez-vous me guider de sorte à ce que j'évite les pièges? Ah, je veux dire non. Pas question. J'ai jamais vu personne sortir vivant de ce labyrinthe. Et c'est pas pour dire que vous y laissez votre peau ou quoi que ce soit. Je parie que vous allez le traverser sans aucun problème. Oui, monsieur. Mais j'attendrai ici pour connaître la suite. J'ai pas envie de rencontrer de morts-vivants qui s'en occupent, ni les gelées qui entretiennent, ni les gelées qui l'entretiennent. Faut que je reprenne mon souffle, vous comprenez? Où mène le labyrinthe? Je ne sais pas au juste, mais il paraît qu'il y a une cité sous celle-ci. Ah, un de ces petits malins d'archéologues pourrait sans doute vous en dire plus. C'est pas vraiment une cité là-dessous, vous comprenez, rien que des vestiges. Oh, ce n'est pas surprenant. Si le site sur lequel est bâtie la porte de Baldur est si important, c'est sûrement qu'il y en avait un autre avant. Enfin, ça ne me tracasse guère. Il n'y a que les morts là-dessous qui savent. Allez, circulez. Je comprends, bon repos. Mais qu'importe, occupez-vous seulement de donner à Severoc un coup de lame bien affûté. Ok. Moi j'ai juste sauvegardé parce que j'ai pas sauvegardé après le combat contre Severoc. Voilà. C'est ce qui est fait. Et on est à 5 minutes. Je dois couper juste pour vérifier un truc. Ok, donc c'est bon, j'ai vérifié ce que je devais vérifier, donc on est parti. Immo-N en premier en détection des pièges.
Ah, ok. On va faire avancer le reste du groupe. Lui en premier. Tout cela est tellement assommant. C'est les autres ensuite. Non, 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 non. Immo. On va prendre la stratégie classique, hein. On va constamment aller à droite. Ok, visiblement c'est un cul-de-sac à droite, donc on part à gauche. C'est un cul-de-sac aussi. Ok. Il y a un truc qui cloche déjà, dès le départ. C'est pas un cul-de-sac. Ça continue au bout. Ok, d'accord. Une tâche facile. Sans problème. J'en ai assez. Ok. Et merde, deux. Bon. Hors de question qu'on perde ce personnage. Les baguettes qu'il maîtrise sont beaucoup trop importantes. Pour le moment, je sais que je peux avancer sans problème. Donc on va avancer sans problème. Par contre, on va juste régler un petit peu notre... Charmante. Voleuse n'est pas importante, on a le tank, enfin on a le tank, la prêtresse, allez, hop, ça ira comme ça. Résultat, par contre, on va voir la voix d'Imoen tout au long. Bon, ça fait, c'est pas grave. Voilà. Et là, par contre, on sait ce qui nous attend, donc. Tout cela est tellement assommant. Voilà. Hop, et là. Voilà, au moins comme ça, on sait faire le travail. Voilà, ok, nickel. Bon. Ok, toi tu recules un petit peu. Imoen, en détection des pièges. Ça c'est pas fouillable. Ok, on va ramener l'autre rapidement ici.
On va se la jouer comme ça de toute façon. On va faire avancer ces deux-là. Qu'est-ce que vous faites, vous trois là? Le serviteur de Dame Nature attend pour le groupe. De toute façon, s'il n'y a pas le choix, j'en ai assez. De toute façon, les loups sont en train d'être désinvoqués. Qu'est-ce qu'il fait cet idiot? Allez. Qu'est-ce que... Mais il est con ou quoi? Allez. Bon, c'est les loups qui nous emmerdent. On va peut-être attendre que les loups... que les loups dépopent. Sont partis les loups, résultat, petite sauvegarde ici. Ok, Imoen, détection des pièges, en avant. Notre héros derrière, parce que... Ouais, alors, attendez, notre héros ici, parce que, de toute façon, ces trois-là, sinon, le reste, voilà. Voilà, les loups viennent de disparaître, j'ai eu les messages... Toujours en détection des pièges, on est d'accord. Que se passe-t-il? Ok, et on va continuer. Ok. Je prends absolument aucun risque. Des risques de ce genre-là. Qu'est-ce que vous voulez ici? J'en ai assez. Ceci, c'est que tu fais mal ton travail. Allez, vas-y. Putain, elle a plus de flèches, elle. Oh, j'ai mal à la tête.
Ça, c'est pas possible qu'ils arrivent à nous déglinguer comme ça. Ne venez pas m'ennuyer. J'en ai assez. C'est un peu le bordel, mais au moins on explore quoi. Enfin, et on explore, et encore. Oh, le jeu se met à ramer tellement il y a d'entité. Bon. Petite sauvegarde, on va y aller à la YOLO. Je sais qu'il y a des pièges. Bon, on va les découvrir à l'arrache. Ok, ici il y a des unités. Ok, visiblement, jusqu'ici, tout se passe bien. Ok. Et là, c'est le drame. On les envoie tous par là-bas et lui, il va réinvoquer une salve devant lui. Un peu plus près. Ah non, faut qu'ils restent dans le périmètre malheureusement. Faut que l'invocateur reste dans le secteur pour qu'ils attaquent. C'est ça le problème. Ok, re-sauvegarde. On va au moins essayer de regrouper le groupe. Ok, bon. Alors on soignera notre magicien un peu plus... Non, c'est la priorité le magicien quand même, faut pas déconner. Qui est blessé? Imwen un petit peu, notre magicien, et enfin, notre office de magicien, et une de nos voleuses. Bon, on va attendre juste que les mobs disparaissent, pour que ce soit un peu plus praticable. Voilà. Bon, rapidement, tour de soins. Bon, bah ça c'est le principal. Les voleuses, ça attendra Imwen quand même. Parce qu'Imwen, elle va détecter les pièges.
Miss supplanté de personnage. Bon, bah, résultat, on aura soigné tout le monde. Enfin, c'est tout. Et il restera Jaira qui a des pouvoirs de soins. Juste une question, est-ce qu'on peut... Vous ne pouvez pas... Ok, ça va pas être amusant. Si on doit se retaper aller-retour en plus à chaque fois pour aller dormir et se reposer... Vous êtes une bien étrange personne. Ouais, non, c'était plein des pièges. Bon, même topo, bon, en fait les deux là... Qu'est-ce que vous voulez? Et avec notre héros, les trois premiers en fait, ils vont avancer. Ok. Bon, on va se préparer. Vous avez quelque chose à accomplir? À vos ordres. Moyenne, recule, idiote. Ok, l'autre, on va réussir à l'encercler. Ok, est-ce que tu as une portée jusque là-bas? Apparemment, non. Bon. Est-ce qu'il m'a encore des flèches? Oui. Non. Bon. On est à court de flèches. Ok, ça devient la misère niveau flèches. J'espère que l'autre il a des flèches. Ok. On va lui rebalancer une invocation dans la tronche. Ok, par contre, elle, les deux là, il va falloir qu'elle s'éloigne. Ah d'accord, il a une baguette KCD lui. De toute façon, on en a plein. Ok, on va en réinvoquer. C'est bon. Oh bah. Bon, c'est un petit peu le bordel là, hein, au niveau des mobs. Alors, qui on ne veut pas? Toi, toi et toi. Les autres, vous allez avancer un peu. Ok.
Ok, voilà, ça commence à disparaître. Alors. Quand on ne me dit pas qu'il n'y a pas de stuff à récupérer. Il n'y a pas de stuff à récupérer. Ok. Ah oui, on a les flèches des Omblas par contre à récupérer. Bon, toujours deux stacks de flèches qu'on peut utiliser. Ok, allez, hop. Ça, ça va être ça tout le long. On va essayer de progresser quand même un minimum. Oui, bien sûr. Ok, là ça devient dangereux. Bon. Les deux voleuses et notre Gus. Allez. Je pense qu'on va se la jouer à la Why Again. Dès qu'on tombe sur un piège, on saura à peu près où il est et puis on rechargera, c'est tout. On va procéder comme ça. De toute façon, ce labyrinthe là, faut le faire par étapes. Juste un truc rapidement. Là, il y a quelque chose. Je sais pas, il y a une traînasse verte. Bien vu l'aveugle, t'es sûr. Tâche facile. Il m'en manque un. Ok, d'accord. C'est quoi ce truc? Combattant squelette. Ok. On va lui en envoyer un max dans sa tronche. Hein. Qu'est-ce qu'il fout? De l'autre côté que ça se passe. Ok, ok. Là, on a un problème. Putain, mais ils nous les défoncent tous, quoi.
Merde, un piège. Bon, il y avait un piège. Ok, on va recharger. Bon alors, il y a un piège plus loin, au niveau de la traînasse verte sur le mur. Et et il y en a un plus loin, sachant qu'on a un mob qui fait chier. Non, on va ressortir, on va aller rechercher le stuff de flèche. Parce que là, c'est absolument plus vivable. Le seul problème, c'est est-ce que le point enflammé nous en veut toujours? Là est la grande question. Si on se fait toujours agresser par le point enflammé, ça c'est ennuyeux. Un petit tour sur la carte, voilà. On n'en a pas découvert une grosse partie. Sachant que pour le moment, il n'y avait qu'un seul chemin. Que les autres, c'était... j'ai vu qu'il y avait un cheat pour découvrir une carte entièrement d'un seul coup. Je l'utiliserai vraiment si ça dure vraiment, vraiment trop longtemps. Bon allez, on va voir déjà s'ils arrivent au moins à faire un petit pathfinding comme ça. Pour le moment ça s'annonce plutôt bien, allez, plutôt pas mal, allez, plus dur, je vous demande d'aller là. Plus dur parce qu'il y a un crochet à faire. C'est bien, vous avez le QI d'une poule. Enfin, au moins le QI d'une poule. Bon bah une moyenne, t'as raté le test suivant. Hein. Tu restes une poule. Les autres, vous êtes des chèvres. Bon, je... Alors, par où on sort ici? Est-ce qu'au moins on peut sortir? Sinon, l'autre, il avait dit qu'il y avait... il y avait un magasin ici. Ça me revient pas, c'est un problème. Le jour où je n'aurai pas ce que vous désirez sera le jour le plus sombre de votre vie. Ok, nickel. Alors. Ah, des flèches mordantes, c'est cool. Bon allez, on va prendre ce qu'il nous faut. Donc petit instant, retour de stuff. Oh, d'accord, ok, il y a du bon stuff. On va se restuffer comme des malades. Ok, c'est tout ce que tu as à me proposer en flèche mordante. Bon, bah, on s'en contentera. Et puis bah, le reste, on va attaquer à la flèche plus 2. Hein.
Ok. Bon, les flèches mordantes pour notre héros, c'est le plus balèze. Ça est Moen, on verra bien ce que ça donne. Ok, 5 flèches maintenant de plus à notre héros, ainsi que. Ok, évidemment, c'est chiant parce que son stuff il est plein, lui. On va. Hop, la besantine. On va la mettre là, attendez, une seconde. Voilà. Alors. Là, et puis. Les flèches plus 1. Allez, non, hop. Voilà. Il va commencer comme ça, puis après il terminera par les flèches plus 1. Imoen va utiliser des flèches plus 2 aussi. Ouais, c'est des flèches plus 2, pas plus 1. Hop, des flèches plus 2 encore. Elles sont moins balèzes que les flèches mordantes, mais bon. C'est toujours ça de prix. Et surtout que les flèches mordantes, elles sont empoisonnées. Elles font un dégât par seconde, je crois. Même plus que ça. Elles font vraiment mal, les flèches mordantes. Alors, excusez-moi, j'ai un œil qui est... Attendez. Une seconde. Excusez-moi, mais j'ai un œil qui est irrité. Ouais, je sais, tout le monde s'en fout. Bon. Ok, on est full avec les flèches. Ok, ça c'est fait. Qu'un flèche de plus. On repart. Encore une fois. Allez, hop. J'achète. Ah, c'est des flèches plus 1, ça. Enfin, ils sont vendus par 10, mais bon... Ah, il n'y a plus de flèche plus 2. Ah ouais, ok, bah oui, bah dans ce cas, oui, vas-y. Ok. Alors, au niveau des armures... Ah, putain, il y a une cape de protection. Potion de soin. Il y a des billes, mais ça, on doit voir ce qu'il faut. Des frondes. Et des fléchettes étourdissantes. Ça, ça pourrait être intéressant aussi. Ça. Bon. Déjà, pour le moment, le plus important, ce sont les flèches. Il y a les garous. Ah oui, mais il n'y a pas de carreaux en plus, tiens. Penser à bon, allons-y. On a 20 flèches de plus qui vont aller à Khalid parce que de toute façon il reste plus que Khalid qui n'a pas de flèches. Et 2 stacks, voilà, il reste ça. Il nous reste 2 stacks ennemis. Ça, je les jette parce qu'elles sont pas utiles. Elles sont complètement useless, elles ne font pas d'effet. Ah non, il y a non, il y a aussi elle qui n'a pas de flèche. Bah en soi, c'est plus intéressant qu'elle ait les flèches plus 2.
ça c'est flèche plus 1 ça, ouais. Flèche plus 1, flèche plus 1, et elle va commencer par flèche plus 2. Donc il reste Khalid qui n'a pas ses flèches. De toute façon, on va encore en refaire un plein rapidement avant de... avant de continuer quoi que ce soit. Allez, normalement, dernière tournée avec les flèches plus 1. Après, on a fini. Enfin, après, on passe aux billes. Les billes de Jaira, j'ai pas vu ce qui lui restait. Non, pas ça. Quoique des flèches de dissipation de la magie, ça pourrait être sympa aussi. Hop, et oui, bah en fait, l'école dit une bêtise. Bah, ouais, c'est ça. Donc, il en manquait simplement une à Khalid. Ça, c'est la potion de maître voleur. Bah, on en a deux. Je sais plus ce qu'elle fait cette potion. Je crois qu'elle améliore ses compétences, mais bon, elle est déjà très très bien fournie. Les billes de Jaira. C'est correct ça. Le problème c'est qu'elle a pas d'arme. Elle a pas d'arme au corps à corps si jamais elle venait à se battre au corps à corps. Et lui les carreaux, ouais, ouais, j'ai oublié les carreaux. Bon, Jaira, toi qui es dispo, allez, hop, on va se faire un max de potions de soin. Donc, petit arrêt pour le... Bah oui, sur sur du stuff, ça fait partie du gameplay du jeu. Bon, on verra bien à qui on les donne, mais pour le moment, j'ai envie de dire, on va en donner un à chacun, mais... Sachant qu'il y en a qui ont déjà des trucs. Ça, je m'en servirai pas, de toute façon. Ouais, lui, il a ses baguettes. Il va les garder sur lui, mais... ouais, bon, à la place d'une baguette, hein. Hop. Pas un problème. Ça, lui il a encore une potion de balèze là, mais ouais, hop, on a une potion là, je sais même pas ce que c'est, je sais même pas sûr qu'elle servira. Invulnérabilité, jet de sauvegarde, bonus de plus 5, classe d'armure fixée à 0, on est à 3. Ça peut être utile en cas de coup dur. Bah, je pense notamment au combat final contre Savorok. Ici ok, ici que dalle, et ici je préférais que tu les donnes aux héros. À la limite on va faire un échange. Pareil, il y a pas mal d'antidotes. Allez,
terminé. Le jour où je n'aurai pas ce que vous désirez sera le jour le plus sombre de votre vie. Il y a d'autres potions, je pense qu'on pourrait éventuellement les utiliser. J'utilise très peu les potions, je dois l'avouer. Ok, il n'y a plus de potions de soin. Des antidotes contre le poison. Potion d'héroïsme. Plus 2 de dégâts. Et je sais toujours pas ce qu'est le tac 0. Maître voleur. Cape de protection. La cape de protection, ça va à qui? Non utilisable par. Par personne. Donne-moi ça pour voir. Alors, c'est Jaira qui l'a. Ah oui, ah d'accord, oui. Autre objet magique que vous portez actuellement. Ok. Est-ce que tu peux non plus? Bah ça ira, Jaira, puis c'est tout. Bon bah Jaira est à classe d'armure 0. Et franchement les elfes, niveau classe d'armure, ils ont pas à se plaindre. Hein. Je pense que si jamais je refaisais une partie, je pense que je prendrais un elfe, certainement. Mon héros serait certainement un elfe. On peut sortir par là, ok. Je veux juste localiser où on est. Salut camarade. Eh, vous faites quoi ici? Vous feriez mieux de sortir à moins que vous ne connaissiez le mot de passe. Ouais, je connais le mot de passe. Bah, j'en sais rien. Si vous le connaissez. Ombre. Mauvaise réponse. Mes excuses, mais j'avais rendez-vous avec la mort. Bon bah. Ah, désolé, mec, fallait pas m'emmerder. On est là. Le problème, c'est ça. C'est qu'on a des civils contre nous. Et merde. Réputation a diminué de 9. Est-ce que j'ai perdu? Bon, j'ai pas perdu ma classe de paladin. J'en ai assez. Ok. Parce que les flèches plus 1, c'est sympa. Mais flèche mordante, c'est mieux. Donc on va quand même s'en reprendre.
c'est ça quelqu'un parce que. Ok. Mais notre héros, c'est pareil, je vais avoir besoin d'un espace libre. C'est bon, elle est pas pleine. Je peux pas sélectionner beaucoup plus que ça, sérieusement. J'ai pas vu qu'il y avait des flèches explosives aussi, à mon avis elles doivent être pas mal balèzes. Pour le moment on va rester sur les flèches mordantes. J'avais pas vu qu'il y avait des flèches explosives. À mon avis elles doivent faire énormément de dégâts. Ben on va les prendre. On va y goûter. Plutôt les ennemis vont y goûter. Bon, ok. On va juste les garder au cas où, mais je pense à mon avis que ça doit être un truc sympa. Ok, voilà. Comme ça, on a au moins deux personnages qui sont à la flèche mordante. Notre héros, il lui en manquait pas. Je préfère qu'il soit. Ouais, bah si, voilà. Ouais, c'est toujours mieux les flèches mordantes. Bah, on a des flèches plus 1 si elle veut, elle. Enfin, on a. Ouais. À quoi la flèche plus 2 ? Ouais, puis Khalid, il a la flèche plus 1 lui aussi. Autant le mettre. Non, ça. Ouais, non, ça, ce sont des flèches plus 1, ça. Bon, bah, tant pis. Hein. On laisse comme ça. On utilisera des flèches plus 1 pendant un temps, et puis c'est tout. Parce qu'on a des flèches plus 2 là. Voilà, c'est ça que je voulais donner à Khalid. Voilà. Et on a des flèches explosives que j'aimerais bien tester. De toute façon. Voilà, de toute façon, je pense qu'on a un très bon stuff là. Enfin, du moins des armes surtout. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Qu'est-ce qui pourrait nous être utile? En potion notamment. On va terminer, on va vraiment prendre beaucoup de flèches explosives, je suis sûr que ça doit être des trucs de malade. Vu le prix, ça doit être des flèches de fou. Ok. Les flèches de glace, c'est pas intéressant. Ah oui, puis on a les carreaux également. Les carreaux, on sait à qui ça va. Mais il doit avoir son inventaire plein. Gagné. Donc c'est elle qui va les porter pour lui temporairement non plus. Bon bah tant pis. Pour le moment il en a assez. Puis on pourra toujours revenir. Potion d'invulnérabilité, j'ai plus envie de tester ça, mais élixir de santé aussi. Tiens. Ouais. Y a des potions intéressantes. Putain, le mec a vraiment tout quoi. Il a de nouveau des sorts d'invocation de monstres. Le niveau 1, mais c'est toujours ça de prix. Tout ça, c'est ce qu'on lui a vendu, sachant qu'il y a les baguettes. Les baguettes d'invocation de monstres. Mais bon, on a ce qu'il faut. Bon, on a ce qu'il faut pour un bout de temps. Les flèches. On a deux stacks de flèches explosives. Allez, on va lui mettre à elle. C'est elle qui va initier ces flèches-là. Une fois qu'elle aura fini son stack de flèches plus 2, par contre. Pas avant. Ou alors on alterne. On va les essayer dans un premier temps. Et puis on verra bien par la suite.
Voilà. Bon. Je veux juste voir, moi, c'est ma réputation. Moyen 9, ok. Bah oui, on a perdu 9. Bon. La réputation, on peut s'en racheter. Ah d'accord, c'est flèche explosive ça. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ok. Attendez, j'ai rechargé où moi? Ah d'accord, oui, ok. Ah, puis violent le chargement. Oh, fait chier qu'on ait ces personnages là qui sont coincés. Vous êtes une bien étrange personne. Bon, écoutez, je coupe là, je vais me